C'est la révélation 2016 aux États-Unis. Donc évidemment, vous savez, il y a des primo-romanciers qui ont 70 ans, mais souvent ils ont 25 ans. Hein, et ils font un premier roman brillant. Bon, bah là, c'est le cas. On est tout à fait dans la lignée, c'est le cœur battant de Nobert, le titre. On est dans la lignée de Chimamanda Ngozi Adichie, même si on n'est pas du tout dans la force littéraire de la littérature de campus. C'est comment la société afro-américaine s'approprie son histoire pour raconter la complexité de la position qu'a la société afro-américaine aux États-Unis et la position dans laquelle on les oblige à rester, surtout. Alors, ça, c'est de la littérature norvégienne. C'est sûr, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est la toute première fois qu'il est traduit en français. Je trouve ce titre est sublime. Vous n'êtes pas venu au monde pour rester seul. Je trouve que ce titre est très, très, très beau. Moi, quand j'ai eu fini de lire ce livre, je suis revenue au bureau à la SFL et j'en ai discuté avec la libraire qui s'occupe de la littérature. Et je lui ai dit, oh là là, est-ce que t'as acheté un œil? Et elle m'a dit, ouais. Comme ça, je me suis dit, oh. Elle me dit, il se passe rien dans ce roman. Moi, j'ai dit, non, il se passe rien. On est bien d'accord, c'est pas du tout un roman à rebondissement et un roman à suspense. Mais il s'y passe pas rien. Un funambule sur le sable, c'est une très jolie histoire. C'est l'histoire, le personnage principal, on le découvre dès la naissance, à la maternité. Il naît, on l'enlève de sa mère, on fait 2-3 examens, et quand on le ramène à sa mère, ça va avec un petit masque de circonstances. Votre enfant a un violon dans la tête. Alors, je vous ai déjà parlé de Thomas Vineau. J'aime beaucoup Thomas Vineau. Thomas Vineau, c'est un auteur des petits bonheurs du quotidien. Vous savez, le petit rayon de soleil, des petites choses, quoi. Des fois, on ne les remarque pas assez, ces petites choses-là du quotidien, qui fait que le petit moment de bonheur, et ben, ça puisse être... juste un petit moment où on se pose, où on réfléchit pas, où on prend ce qu'il y a à prendre. Et c'est ça, littérature, habituellement, à Thomas Vineau. J'aurais pu ne pas, parce que Lola Lafont, on la connaît, parce qu'elle est mise en avant. Mais, moi, j'ai fait la danse de la fin de lecture quand j'ai fini Merci Mary Patty. Parce que c'est pas une lecture forcément très aisée. Hein. Il faut accepter que ce soit pas hyper romanesque, en fait. Alors que La petite communiste qui ne souriait jamais était très, très, très romanesque.